ce samedi 19 août, alors qu'il donnait un spectacle dans le cadre d'un festival au Mans, Michaël Youn aurait dévoilé le numéro de téléphone du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. On vous en dit plus sur cette initiative. Si est-il bien connu, Michaël Youn n'a pas la langue dans sa poche. L'ancien animateur du Morning Live de M6, qui se produisait en concert sous son alias Fatal Bazooka au Mans, a une fois de plus fait des siennes ce samedi 19 août. L'humoriste de 49 ans a fait le choix de projeter le supposé numéro du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur grand écran dans le cadre de la soirée The Crazy Big Night, a rapporté La Voix du Nord. Je voudrais qu'on lui fasse un maximum de bruit, donc à trois tout le monde va crier merci Gérald, a ironisé Michaël Youn face à un public peu enthousiaste. Je ne vais pas vous mentir, je suis déçu. J'ai entendu quelques voix dissonantes et je trouvais que ça manquait de spontanéité, a-t-il reconnu. Ce que je vous propose si est-il que chacun lui envoie un message un peu plus personnel, a-t-il expliqué juste avant que s'affiche un numéro de téléphone. J'espère que si est-il vrai, s'est mis à hurler un spectateur. Ça ne sert vraiment à rien de lui envoyer un message maintenant, il est un peu tôt, il doit être encore au ministère. Ce que je vous propose si est-il d'appeler demain matin vers 5 ou 6 heures, a poursuivi l'interprète de foot à cagoule. Par la suite, le comédien a fait une proposition pour le moins particulière à son public, sachez qu'il est fétichiste, il adore les pieds, les chaussettes, les ongles incarnés. Si vous avez des panaris, il kiffe, des champignons sous les ongles. Ne commencez pas les menaces de mort, n'oubliez pas que si est-il quand même le ministre de l'Intérieur et qu'il peut retracer votre numéro. Ne commencez pas les menaces de mort parce qu'il va vous trouver, hein, a-t-il tout de même tenu à rappeler. Selon nos informations, le numéro partagé par Michaël Youn ne serait pas le numéro personnel de Gérald Darmanin mais possiblement celui d'un standard. Voilà, c'était ma petite contribution à la politique française, a-t-il fini par conclure. On peut émettre un doute quant au fait que le ministère de l'Intérieur appréciera le geste.